Allez, on disait, on va dormir. Désormais pas de ce que ça va être une momie car elle a dormi dans un tombeau. Il se souviendra qu'il s'agit d'une bonne histoire à raconter un jour à ses enfants. Alors un jour j'ai dormi dans un tombeau et j'ai l'impression d'être une momie. C'était super. Oh là, il commence à vraiment... Comment sérieusement avoir faim. Chaleur oppressante. Oh, il reste que deux nourritures déshydratées. Il n'en reste qu'une seule. Ah, il y a un écolier là-bas. Trouve une porte cachée. Puissant un fruit flambé. Ah, c'était ça qu'il fallait. Doit y avoir un interrupteur qui ouvre cette porte cachée quelque part dans son tombeau. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oui, oui, oui. Il viendra récolter ce produit puisson à fruits flambés. Il se trouve dans son inventaire. Il y avait une erreur, heureusement que Error Trap l'a corrigé. Ouh, ça ramène à loin ça. Les besoins sont mis à zéro. On va retourner dans la pyramide. Non, on va pas aller... Mais... Qu'est-ce qui se passe? La quête était perdue. Super bizarre, bon. Tant pis. On va aller rechercher des aventures. Alors, recherche un esprit aventurier courageux pour désactiver les pièges dans mon sous-sol. Apparemment, il y a un tombeau ancien sous ma maison. Et donc, dans mon nouveau sous-sol. Une récompense en simflou sera versée une fois que le dernier piège sera désactivé. Pas sérieux s'abstenir. Retourne, entrer dans ce saut dangereux et désarmer tous les pièges pour gagner les simflous. Les pièces anciennes et des points de visa. Ok, on y va. Oula. Hein? Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Il y a un serpent quelque part. Python. Bon, pas le temps à perdre. Assez de perdu de temps comme ça à cause de... Farouk n'est pas là. Je sais pas si on peut y entrer par infraction. Non. Bon bah... Le mec, il va en profiter pour continuer son petit roman. Et je vais en profiter pour faire une ellipse. Et dès que le mec sera rentré chez lui, on se retrouve. Allez, ellipse. Bah écoutez,
J'ai décidé d'abandonner la quête. On va plutôt aller chercher une autre aventure. Ah, comme je le craignais, mais peut-être que cela représente une opportunité. En tout cas, les documents ont été déchiffrés. Il est temps de vous envoyer dans le feu. Malheureusement pour vous, c'est à prendre au sens propre. Ok, on retourne. On retourne là où on était tout à l'heure, c'est-à-dire dans la pyramide. Allez, je suis parti. Je suis reparti. Donc le mode erreur trap, dès qu'il y a une erreur sur un sim, il réinitie et le met au point de départ. Ah bah, il est refermé. J'ai plus de nourriture déshydratée maintenant. J'avais peut-être loupé des plantations, je suppose. Non, je pense pas. Non, bah c'est bon. Ouais, activer cette plaque. Ouais, attends, c'était se baigner nu dans une piscine, non. Trouver une porte cachée, allez. Ouais. Petit moyen de pousser ces... Ah, si. Donc dès qu'on met une statue à pousser sur un piège, ça désactive le piège. Et ce qui est plutôt pratique puisque les pièges y font 2 cases fois 2, ce qui permet de pouvoir passer sur les côtés. Je sais pas pourquoi il y a... Elle est fermée en tout cas. Une pile de pièces là. Quand il a écrit ce roman, et c'est super ennuyé. Là, il est en train de regagner de l'amusement. 32 pièces anciennes, ça fait 224 en tout. Centre. Pousser. Pousser. Allez. Je crois que pousser des et tirer des statues, ça fait de la compétence en athlétisme. Non. On va aller examiner cette... explorer cette source. Ouais, nager dans le tunnel. Reflet à tel fond, c'est venu... Qu'est-ce que c'était que ça? Reflet à nager dans quelque chose de gélatineux. Berk. Oui. Je sais pas si ça fait partie de l'émission. Super. Ça sert à quoi? Peut-être à récupérer cette... Allez, je vais l'amener. Je vais amener cette statue. Au cas où, ça doit servir à ça.
Dormir dans un tombeau. Il est déjà 22 heures. Je crois qu'il est temps de faire de dodo avant de continuer. Petite ellipse, le temps qu'il fasse son dodo et on se retrouve plus tard. Ouais. Il vient de se lever. Le problème c'est qu'il a à nouveau faim. Et je n'ai plus de nourriture déshydratée dans l'inventaire. Donc ou je vais devoir continuer sans. Ou alors il faut faire un aller-retour sur le marché pour pouvoir progresser. Là, pour l'instant, on va aller amener cette statue sur la plaque. Et ça a donné une autre plaque. Et cette statue, elle n'est pas poussable. Super. Non, 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 non. Oh, purée. C'est tiré loin. Tiré. Tiré tout court cette fois. Moi, je sens que ça va passer. Hein. Se mettre dessus. Allez. Moi aussi je pensais que ça marcherait pas. Wow. Il n'y avait pas un autre chemin quelque part? Si. On va y retourner plus tard. Là c'est la déco, des statues enflammées. Ça risquerait de bugger à nouveau. Mais c'est pas grave, ça, au moins ça va. Ça va y remettre les besoins au début. Voir. Récolter. Allez. Et voilà, ça a rebugué. Super génial. À chaque fois que je récupère fruits flambés ou que je récolte court. Ça réinitialise le sim, ce qui fait que je vais devoir re-avoir cette opportunité-là pour pouvoir continuer. Et ça, c'est vraiment chiant. Rechercher les aventures. Fait flamber. Excusez-moi. Ah, mes souris. Merci. On va retourner dans le tombeau. Ou plutôt, on va directement ouvrir la porte. Et plutôt de continuer à ramasser les fruits flambés, on va aller piller, on va aller miner sur tout au long de la journée. Moi je fais que travailler. Si je suis plus rapide qu'un tour rapide, est-ce que je peux se travailler? Je manque d'inspiration pour ce genre de parodie.
Et ouh, qu'est-ce que c'est un coffre?